l'immense honneur. Nous sommes en 1504 et non en 1503, diable. Seigneur Medina! Qui êtes-vous? Monseigneur! C'est bon, Albero. Je suis au service du Seigneur Medina, Monseigneur. Et d'où sortir cet accoutrement? Ce n'est pas un accoutrement, Monseigneur. C'est ainsi que l'on s'habille. Ah oui. Du moins, les gens convenables. Cette île est une des rares où l'on trouve ces petites vestes de cette qualité. Ailleurs, elles sont plus quelconques. Celle-ci s'appelle Concha Cabana. Je ne suis qu'un simple honnête homme, pas un politique. Je n'ai pas, comme vous, la science de gouverner. J'ai mal compris les raisons du massacre. Qu'est-ce que c'est que ce mot massacre? C'est un mot d'accusation, massacre. Vous parlez comme le font mes ennemis. Je n'ai pas massacré. J'ai éliminé. J'ai nettoyé. Vous serez honoré à la cour. Vous y trouverez un mari noble. Parlez-moi de noblesse. Le frère Auvergne n'est-il pas grand? Je sais ce qu'elle vaut, votre noblesse. Te voici. Tu m'as fait amener. Je veux te parler. Tu le peux. Je n'ai pas besoin de ta permission. L'autorité, c'est moi qui l'ai. Je le sais. Je suis condamné à mourir. Mais je n'ai pas le choix de mes parents. Je te le répète, de moi seul dépend ta mort ou ta vie. Je te rendrai visite chaque nuit. Et pourquoi la nuit? Dispense-moi de répondre. Il m'est déjà assez pénible de penser à ma faute pour que je n'ai pas encore en parler. Quelle faute? Ne sois pas perverse. Je me demande d'être bonne. Il ne te sert à rien. J'ai trouvé pour m'aider à réaliser ce que j'espérais comme un espoir. J'ai trouvé des formidables. Ce n'est pas de la parole vaine, ce n'est pas des compliments convenus que je vous lance, mesdames, messieurs. Vous avez vraiment travaillé, vous avez réussi, vous avez œuvré et vous avez donné ce que. Je n'espérais pas. Alors, je ne veux pas être long, mais je m'arrête ici en espérant que dans votre cœur pénètre la réalité de mes paroles et la réalité de mes sentiments. Merci.